Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Après les musiques qu'on peut écouter à l'envers et qui font des messages sataniques. Ça fait flipper. Après les hallucinations auditives. Aujourd'hui, nous allons découvrir la musique en 8D. Alors comme vous le savez, on peut jouer avec l'audio, je suis à gauche, je suis à droite, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Le but du 8D, c'est qu'on entend le son de 8 directions différentes. Donc devant, derrière, à droite, à gauche et dans les diagonales. Et ça vous donne l'impression que le son tourne autour de vous. T'as l'impression que le son est vrai. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Alors, la première sensation que t'as quand t'écoutes du 8D, c'est déjà t'as l'impression d'être à un concert. Mieux que 1000 explications, je vais vous donner un exemple de ce qu'est le 8D. Portez bien un casque, c'est obligatoire. Prenez votre casque, vos écouteurs, quoi que ce soit qui peut être dans vos oreilles, n'écoutez pas ça avec des bons haut-parleurs quoi que ce soit. Parce que sinon la vidéo va perdre tout son sens. Wow. Voici le 8D. C'est impressionnant, hein. Pour certaines personnes, ça peut être déceptif. Parce que certains ont vraiment l'impression que la musique, elle va juste à droite et à gauche. Ce qui est plutôt nul, hein, on va pas se le cacher. C'est juste qu'en général, les gens le vivent différemment. C'est un peu comme les goûts et les couleurs, tout est différent. En tout cas, ça marche. Sinon, je ferais pas une vidéo dédiée dessus. À travers cette vidéo, je vais vous partager notamment ce que j'écoute. On se fait un partage musical. Grosse dédicace à toutes les maisons de disques qui vont pouvoir se mettre très bien sur cette vidéo. Ça va être full copyright. Allez-y, mettez-vous bien. Êtes-vous prêt à écouter de la musique comme vous ne l'avez jamais fait? Chanter, faire du lip-syncing et fermer les yeux? Alors dans ce cas-là, la 8D est pour vous. Si c'est pas le cas, vous voulez voir un autre concept plus créatif? On se retrouve vendredi prochain. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va fonctionner par grandes catégories. On va commencer par la première catégorie qui est... Alors on va commencer avec Sea Commode de Travis Scott et Drake. Mec, j'ai l'impression d'être à un concert, c'est abusé. Mais de loup, j'ai l'impression d'être à un concert. T'as le son qui passe tout autour de toi, tu fermes les yeux. Ça va être tout droit. T'as la résonance, c'est que le début, hein. Là, on a Mac Miller. Dédicace Mac Miller, rip. C'est quoi? Fermez les yeux. Tu me donnes un ordre à moi? Waouh! Il y a surtout un truc. Si tu te concentres sur la rotation, à un moment, il passe derrière toi. Et je sais pas comment, mais il passe derrière toi. Le moment où le son passe derrière toi, t'as vraiment l'impression que tu te fais transpercer par le son. Alors, avec une musique de Post Malone, mec. Attention. Oh! Ouah, j'ai bugué pendant 2 minutes. Mon cerveau pense que ce que j'entends, c'est pour de vrai. Ça vient pas d'un casque, c'est pas informatique. Et à côté, le moment où t'ouvres les yeux, ton cerveau il se rend compte en fait que non, c'est faux, c'est artificiel. Mais faut pas oublier un truc, c'est qu'à travers le 8D audio, on altère un de nos sens qui est l'ouïe. C'est très déstabilisant, mais en même temps très kiffant. On continue. On va s'écouter du Lil Peep. Rip Lil Peep. Oh oui, Kodak Black. Oh, cette musique avait de bonne ambiance. Oh mec, je pourrais écouter ça toute la journée. Je suis vraiment en train de me turn up, mec, c'est abusé. Les gens qui n'ont pas de casque ou qui n'adhèrent pas au délire doivent vraiment penser que je suis en vous. Mais pas du tout. Si tu fermes les yeux, c'est comme si t'étais dans une voiture avec tes potes, dans un endroit paradisiaque, genre Miami, et t'avances avec le son à fond. D'ailleurs, par rapport au son à fond, petit disclaimer, avec le 8D, on a vraiment tendance à vouloir monter le son haut. Faites du bien à vos oreilles. Perfect. Oh oui, Drake. Mec, je vous souhaite pas le concert. Je ferme les yeux, je me mets au milieu de la pièce. Mec, j'ai dansé genre en me souciant de rien. Ça devait probablement paraître stupide, un gars qui danse au milieu. T'enlèves la musique, ça perd tout son sens.
Nous allons écouter un son très très turn up. J'apprécie particulièrement cette musique. Mec, tu peux faire un pogo avec cette musique en lui déjà. Maintenant que nous avons fini avec ce son turn up, finissons sur une bonne note. Asseyez-vous, mettez-vous en mode chill. La musique qu'on va écouter, il faut que vous fermiez les yeux. Je vais même m'asseoir pour l'écouter. J'avais, no joke, l'impression que la chaise, elle tournait sur elle-même. Surtout que mon cerveau s'était trouvé parce que cette chaise-là, très souvent, quand tu t'assois, hop, elle se met un peu à tourner. Voilà, là, ça le fait un peu. Et je me dis, ah putain, elle recommence encore à tourner sur elle-même, putain, il faut que je la répare et tout. Et j'ouvre les yeux et je me dis, mais mec, mais tu bouges pas en fait depuis tout à l'heure. En fait, la 8D, ça te transmet une émotion. C'est un mood maker, c'est abusé. Perfect. Je vais vous faire écouter un truc, what the fuck. Vous allez me dire, mais ça, ça existe en 8D. Est-ce que vous connaissez le mème du mec à la flûte? Menteur! Mais les gars, puisqu'elle commence, tu sais que ça va être n'importe quoi! Waouh! La flûte, mec, j'ai vraiment l'impression qu'elle est présente. Mais tu vois vraiment qu'on est des animaux en vrai. Putain, la flûte, elle passe là, t'es en mode, putain, il y a une flûte, merde! On a fait du rap US, maintenant il faut faire du rap FR. Oh oui, mec! Wesh, les gars de Niska! Waouh, mais mec, c'est abusé. C'est majestueux, 10. C'est puissant, celle-là, elle était bien. Perfect. Oh oui, Duval. Pas de string, même pas de fesses, pas de fils, donc pas de pierre. Si tu le sais pas, moi je le sais, comme si je t'ai sorti d'HEC. Sur le détecteur, la chaussette, j'ai les combos là. Mec, c'est le meilleur truc au monde, marcher en écoutant ça. Vous avez vu qu'on arrive les dangers du 8D. La musique en vogue, en 8D il fallait, évidemment, attention, le fameux moment. C'est abusé, j'ai l'impression d'avoir cette voix dans ma tête. Captap stenda salope te bois soka, TOTK. Tu imagines, tu as ça tous les jours en continu pendant un mois dans ta tête et tu es payé 10 millions d'euros, j'y réfléchis à deux fois. Ah bah nickel. Mais quand même, tu co-baladais. Attention. Traîner tous les jours dans le bas-tête. J'enchaînais, je sur joie. C'est comme s'il y avait un moustique cobaladé qui vole derrière ma tête, c'est exactement ça. Bon, on aura fait du bon gros rap avec des produits du terroir, mais si on faisait... C'est l'une des musiques qui m'a fait découvrir la 8D. Et vous savez quoi? Il y a Charles qui est là-bas, il a jamais essayé la 8D. Je vais vous faire écouter cette musique et en même temps avec Charles. Je vais le chercher, hein. Bon, Charles. Bonjour. T'es prêt? Je suis prêt. Go. Vous allez avoir en live l'expérience de quelqu'un. Mec, j'ai l'impression que t'étais derrière moi avec une enceinte. Mec, en fait, ça. Arrête-toi. Ça t'a donné quoi là, le passage de fin? Mec, j'ai trop l'impression que j'y étais. Moi je pense c'est que Ariana elle était là avec moi, hein, je te le dis. Eh bien non Charles, tu étais seul, Ariana Grande n'est pas là, elle est aux États-Unis. Bon je vais la rejoindre. Salut mon Jerry. Bah, abonnez-vous à Marshall. Oui. Oh oui cette musique putain. J'ai l'impression que le monde peut entendre ce que j'écoute. On a fait de la pop US, maintenant on va faire du... L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier.
Mec, j'ai l'impression d'avoir Angèle qui fait un concert privé pour moi, mec. C'est abusé. Allez. Hugo. Croire en ses rêves. Et attendez, là, on en a une autre d'Angèle. Celle-là, elle va être très deep. On va fermer les yeux. Waouh. Oh, l'écho, mec, il est parfait. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit. C'est dit dans les commentaires, hein. Ils font la danse des canards en 8D, moi c'est bon, je serais comblé. Hein. Note à moi-même d'ailleurs, parce que à force d'écouter du 8D comme ça de manière aussi intense, ça fait comme quand t'as un casque des réalités virtuelles pendant des heures. Je commence à avoir mal à la tête, je suis grave sensible parce que mon cerveau il se fait baiser à chaque son. Passons au bon gros dubstep. J'en ai écouté aucun. Ah, le bon gros dubstep qui était dans les intros YouTube de 2012. Ah mec, ça passe derrière toi. Ah, tu le sens, hein. Vous êtes vraiment dégueulasse. T'as l'impression d'entrer dans un festival. Oh, je sens le délire arriver. Les musiques qui commencent comme ça, attention. J'ai rentré une autre dimension, mec, en fermant les yeux. Mec, regarde dans les commentaires, il y a écrit. Mes yeux sont en train de chercher le son. C'est exactement ce que je fais depuis tout à l'heure. Le old school. Oh là 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 là, du Biggie. J'ai l'impression d'être dans une bonne soirée. Là à droite, ça va devant, ça passe à gauche, là il est derrière moi, et ça repasse à droite. Wouah! Et si on écoute du Biggie, on est obligé d'écouter du... Mieux que tout à l'heure, mec, là t'es dans une voiture en 8D. Connaissez-vous l'ASMR? I'm Pickle Rick. Si je vous disais qu'il existe l'ASMR 8D, rien qu'à entendre, ça fait peur. Hein. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il me touche sur ces endroits de... Vas-y, vas-y, avec ta tête, là, vas-y. C'est le truc le plus déstabilisant, c'est officiel. Avec un gars qui mâche, par contre, quand ils disent en titre 100% relax, là, il y a divergence. L'hymne russe en 8D, non. Oh non. Mec, c'est trop épique. Ça, c'est abusé quand ça rajoute un aspect épique à toutes les musiques. Écoutez cette musique. Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Imagine, on en fait une version 8D. J'ai téléchargé les logiciels pour. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je prends la musique, je fais ma cuisine et on écoute le résultat. Hackerman. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. N'oublie pas d'emporter une serviette. On se fume un pétard. On fait tourner les serviettes en 8D. C'est pas le 8D aussi développé qu'on avait sur les autres musiques, mais franchement... Et on fait tourner les serviettes. Imaginez une version 8D de l'opening d'Evangelion. C'est ça pour les gens qui ne connaissent pas, musique très épique. Je vais le cuisiner, on se retrouve dans 2 minutes. Hackerman. L'opening d'Evangelion en 8D. Plus épique. Encore une fois, je le fais en freestyle là. Je suis sûr que si tu travailles un petit peu plus les effets, il y a moyen de faire le truc parfaitement bien. Bon, et bien voilà, on en aura fini avec cette vidéo à propos du 8D. Ne partez pas maintenant. En tout cas, c'était une expérience. Si vous voulez qu'on fasse un autre épisode dans cette série de choses sonores insolites, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez-y, ça vous prend 2 secondes. Cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Comme ça, vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et je vous invite aussi, si vous avez des musiques que vous connaissez en 8D qui sont particulièrement impressionnantes, partagez-les dans les commentaires. Ou même si vous avez des autres phénomène sonore ou même visuel que vous souhaiteriez que je découvre, et bien allez-y, faites vos suggestions dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes, en la partageant sur vos réseaux sociaux. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me serais vraiment tapé des barres à la faire. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this?
Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.